I shall be no more. Morning, face the day.
Salut tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all this evening in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Que notre Dieu soit loué. May our God be praised. Nous sommes encore dans la joie ce soir. We are glad once again this evening. De venir dans la maison de notre Dieu. To come into the house of our God. Nous ne venons pas rencontrer un homme. We didn't come to meet one another. Amen. Mais nous venons rencontrer Dieu. But we've come to meet with God. C'est pour cela que nous avons chanté avec joie pour That's son honneur. We've sung with joy to his honor.
Nous avons les salutations de frère Kennedy Kaleta. We have the greetings from our brother Kennedy Kaleta. Frère Kennedy Kaleta, il est en Amérique. Brother Kennedy Kaleta is in the USA. Il salue l'église de Durban au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nous avons un message de remerciement. We have a message of thanksgiving. Ça vient de la part de la sœur Shekinah. From sister Shekinah. Elle remercie le Seigneur. She thanks the Lord. Elle remercie aussi l'Église. She thanks also the church. Pour le Seigneur lui a accordé de terminer ses études. Because the Lord has made it possible for her to complete her studies. Graduée. She has graduated. Malgré les difficultés. Despite all hardship. Et elle atteste que Dieu l'a assistée. And she can certify that God has assisted her. Et elle nous dit ici, elle veut additionnellement remercier l'Église pour les prières constantes. Amen. And she would like also to thank the church for the constant prayers. Elle dit que notre Dieu vous bénisse tous richement. And she said, may our God bless you richly. La sœur Shekinah, c'est l'épouse de frère Grace. Sister Shekinah is the wife of our brother Grace. Si vous ne la connaissez pas. If you don't know her. Un autre message de remerciement. Another message of thanksgiving. Ça vient de frère Paul Kalambay. Comes from brother Paul Kalambay. Il remercie Dieu pour l'avoir guéri. For having healed him. Après la prière de vendredi. After Friday prayer. Il remercie aussi l'Église pour les prières. He thanks also the church for your prayers. Comme nous l'avons appris au travers des messages dans le groupe. We learn it through the message in the WhatsApp group. La famille de notre frère Emma Kalambay est éprouvée. Our brother Kalambay household is bereaved. La sœur Nono a perdu. La femme du grand frère de frère Emma est décédée en Zambie. The wife of brother Emmanuel's brother passed away in Zambia. Alors notre frère est éprouvé. And our brother is bereaved. Et nous allons aussi nous rappeler de la famille. We shall remember about the household, the family. Nous allons aussi nous rappeler de son serviteur, notre frère. And also about his servant, our pour brother. Que le Seigneur le fortifie. For the Lord to strengthen him. La sœur Nono demande la prière des saints. Sister Nono requests the prayer of the saints. Parce que elle ne se sent pas bien. Because she doesn't feel well. J'ai aussi reçu un message de la part de frère Lebon. I've received a message from brother Lebon. Il nous signale qu'il est éprouvé. He says he's also bereaved. Et il va se rendre à Pretoria demain soir. He's going to Pretoria tomorrow in the evening. Et nous allons nous rappeler de lui. And we shall remember about him. Dans nos prières. In our prayers. Pour que Dieu console la famille. For the Lord to comfort the family. Et aussi qu'il le protège en chemin. And also protect him on his trip. Il remercie aussi le Seigneur le dimanche passé quand on a terminé le service. He thanks also the Lord since last Sunday, after quand, the service, quand il est rentré avec sa famille, il marchait ici, ils ont été attaqués par les bandits. When he on his way back to home, he has been attacked by the thugs here. Il marchait ensemble avec les autres frères et avec sa famille, ils ont été attaqués. He was with his family and the other brothers. They've been attacked together. On lui a pris le peu d'argent qu'il avait sur lui et aussi and son téléphone. The little money that he had on him and also his cell phone. Mais il est sain et sauf. But overall, he's sound and safe. Lui et sa famille. Him and his family. Malgré que ces bandits là-bas ont enlevé les guns et aussi les couteaux.
pour les attaquer, mais ils sont sains et saufs. They've been attacked with guns. Those tags use guns and knives. Despite all that, they are safe, all of them. Le Seigneur. That's why he thanks the Lord. Ici, nous voulons encore réitérer le même conseil à l'Église. We would like to repeat the same advice to the church. Il faut vraiment éviter ce tronçon ici. Passer sur le pont. That we have to avoid that at all cost to use this little bridge. Il faut éviter vraiment. We have to avoid. Parce que même ceux qui sont dans les voitures, on les attaque. Because even those who are driving, they're still attacked. Ils étaient en groupe, mais on les a attaqués. Ils sont nombreux, ils ont les armes, ils ont les couteaux. They were in numbers, but they've been attacked despite all that. Because those people carry guns and knives. C'est pour cela nous vous prions, peuple de Dieu, il faut éviter, quand vous marchez, il faut éviter les tronçons. Vous pouvez même venir de ce côté ici. That's why we like you to avoid this bridge, a little bridge there. You shouldn't take it. Nous réitérons encore la même demande de dire que nous cherchons une place où nous pouvons aller commencer à adorer notre Dieu convenablement plutôt que ici où on attaque le peuple de Dieu quand ils viennent écouter ou bien en sortant. And we still repeat our wish to find a new place where the people of God could find themselves a little bit safe than here. Parce que chaque jour on entend on a attaqué un frère, on a attaqué une sœur. Because cela n'est pas bien. If brother or sister have been attacked, that's not good for us. C'est notre devoir à nous tous. N'attendez pas seulement les administrateurs. It's our duty to seek a place, to look for another place. Don't look for the trustees only. N'attendez pas seulement les. Si vous trouvez une place, téléphonez les administrateurs. Ils viendront vérifier. Ils vont contacter. Just get in touch pour with prendre the trustees. Tous les contacts. Just get in touch with the trustees for whenever you find a place. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire l'écriture d'introduction. I invite you to raise for the reading of the Word of God. La chorale a été inspirée. The choir has been inspired. Avec les chansons que nous avons chantées. That we've sung. On va lire dans 1 Jean au chapitre 4. We shall read in the book of 1 John. Chapitre 4. 1 John chapter 4. Nous lirons le verset 16 et 19. We shall read verse 16 and 19. 1 Jean chapitre 4 verset 16 et 19. 1 John chapter 4 verse 16 up to verse 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Et nous y avons cru. Amen. And we have known and believed the love that God has to us. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Amen. Pour nous, nous l'aimons, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Verse 19, we love him because he first loved us. Que le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Chantons ce chorus et nous allons tous prier. Let us sing this chorus and we shall all pray thereafter. 522. Let us sing. I love him. Number 522. 522 la chorale. 522. Oh.
Prions tous ensemble. Let us pray all together. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We may be seated. Que la chorale nous donne un chorus pendant que le serviteur de Dieu s'avance pour la prédication. The choir can give us a chorus while the servant of God is coming for the preaching. Thank you.
greet you all with joy in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Je vous salue tous avec joie dans les puissants noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. I thank the Lord. Je remercie le Seigneur for giving me the grace to stand. M'avoir accordé la grâce de me tenir debout before you. Devant vous. Je remercie tous les frères et sœurs qui m'ont appelé pour me réconforter. I'm praying for the family. J'ai plus prié pour plus pour la famille afin children que which remain, they become fatherless, motherless. Afin de réconforter ces enfants qui sont restés, qui sont devenus orphelins des pères et des mères. God is the father of the fatherless. Nous savons que notre Dieu est un Dieu des orphelins. He will take care. Il prendra soin. We can't have worry about what we can do, what we can't do. Nous ne pouvons pas nous inquiéter de ce que nous pourrions faire et ce que nous ne pourrions pas faire. He always say, look at the fowl of heaven. Il dit toujours, regardez aux oiseaux du ciel. They don't have a field. Ils n'ont pas de champs. But they are eating. Mais ils mangent. Amen. So he will take care. Alors il prendra soin. Amen. That's my prayer. C'est ça ma prière. As men, we can fail. En tant qu'humain, nous pouvons faillir. But God will never fail. Mais Dieu ne faillit jamais. Amen. 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 That's it, giving us joy and strength to carry on. Cela nous donne la joie et la force de continuer. May God bless you. Puisse Dieu vous bénir. We are going to stand for the reading of the word. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Let's make a short prayer. Faisons une petite prière. We thank you, our heavenly Father. Nous te disons merci, notre Père céleste. On our own, we can't. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Stand and move. Se tenir debout et marcher. But by your grace, mais par ta grâce, you allow us to stand into your presence. Tu as permis à ce que nous nous tenions dans ta présence. Now we surrender ourselves into your hands. Maintenant, nous nous abandonnons en tes mains. Speak to us, God. Parle-nous, Père. Me, as a man, I got failures. Moi, en tant qu'humain, j'ai des failles. And the weaknesses. Et des faiblesses. But you as God, mais toi en tant que Dieu, you have promised the Holy Spirit to come and speak to your people. Tu as promis que le Saint-Esprit viendrait et nous enseignera. Now the moment has come. Maintenant le temps est venu. We need your presence. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que tu nous parles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié avec beaucoup d'actions de grâce. Help my brother who's going to interpret. Aide mon frère qui va interpréter. And the congregation who's going to hear this word. Et la congrégation qui va écouter cette Let parole. The Holy Spirit speak to their heart. Que le Saint-Esprit parle à leur cœur. In Jesus Christ's name, we pray for much thanksgiving. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen. Verse 22. Verset 22. Galatians chapter 4. Galates chapitre 4 verset 22. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bound woman, the other by a free woman. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. But he who was of the bound woman was born according to the flesh. And he who of the free woman through promise. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Which things are symbolic for these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which give birth to bondage, which is Hagar. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du Mont Sinaï, enfantant. Pour la servitude, c'est Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with our children. Car Hagar, c'est le Mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. May the Lord add a blessing at the reading.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture. You may take your seat. Vous pouvez vous asseoir. Then, as we promised on Sunday, ainsi comme nous l'avons promis le dimanche, we going back to the book of Hebrews, chapter 12. Nous revenons dans les livres des Hébreux, chapitre 12. Chapter 12, verse 16 to 17. Chapitre 12, verset 16 verse à 17. Et puis verset 22 au verset 23. Let there be any fornicator or profane person like Esau. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü. Who for one morsel of food sold his birthright. Qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. For you know that after what, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. But you have come to the Mount Zion and the city of the living God. In the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par les feux, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approché de la montagne des Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. To the general assembly and the church of the firstborn. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Who are registered in heaven to God the judge of all, to the spirit of just men made perfect. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. De Jérusalem above. La Jérusalem céleste. Is the church of the firstborn. C'est l'église, c'est l'assemblée des premiers-nés. Who are registered in heaven. Qui est inscrit dans les cieux. Esau was the firstborn. Esaü était un premier-né. Amen. Amen. The firstborn. Le premier-né. That church of the firstborn. Cette assemblée des premiers-nés. When you read in the book of 1 Colossians. Quand vous lisez dans les livres de 1 Colossiens. We are that church in our Lord and Savior Jesus Christ. Nous sommes cette église dans les Seigneurs, dans notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. He came, our Lord Jesus Christ. Il vint, notre Seigneur Jésus Christ. Colossians chapter 1. Colossiens chapitre 1. Starting by verse 12. À partir du verset 12. Giving thanks to the Father. Rendez grâce au Père. Who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. God. Dieu. He made us able. Nous a rendu capable. He made us qualified. Il nous a qualifié. Not by yourself. Pas de vous-même. You don't have a price. Vous n'avez pas de prix. You didn't pay for it. Vous n'avez pas payé pour cela. Now, hear the scripture. Maintenant, écoutez l'écriture. He has delivered us from the power of darkness. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. And conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen. In whom we have redemption. En qui nous avons la rédemption. Through his blood. Par son sang. Through the blood of Jesus Christ. Par le sang de Jésus-Christ. The forgiveness of sins. La rémission des péchés. He is. Il est. Image of the invisible God. Il est l'image du Dieu invisible. The firstborn. Le premier-né. Over all creation. De toute la création. Him.
Our Lord and Savior Jesus Christ. Lui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. The firstborn of all creation. Le premier né de toute la création. In him. En lui. We have found favor. Nous avons trouvé grâce. God have qualified us. Dieu nous a rendus capables. Nous to be the partakers of that church of the firstborn. Afin d'être participants de cette église. In our Lord and Savior Jesus Christ. Dans notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, par son sang. Brother. Frère. We will come to the scripture which nous reviendrons à l'écriture que les frères nous ont lu à l'introduction. C'est merveilleux. I like the way God is moving things. J'aime de la manière dont Dieu conduit When les choses. That scripture, I say, ah, quand j'ai écouté cette écriture, je me suis dit, voilà ce que je cherchais. This is wonderful. Ça, c'est merveilleux. Brother, frère, verset 15. He is the image of the invisible God. Il est l'image du Dieu invisible. The firstborn. Le premier né. Over all creation. De toute la création. For by him all things were created. Car en lui ont été créées toutes les choses. That are in heaven. Qui sont dans les cieux. And that are on earth. Et sur la terre. Visible. Les visibles. And invisible. Et les invisibles. Whether thrones. Trônes. Or dominions. Domination, or principalities, dignité, or powers, autorité. All things were created through him and for him. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. And he is before all things. Il est avant toute chose. And in him all things consist. Et toute chose subsiste and en he lui. Is the head of the body. Il est la tête du corps. The church. De l'église. He is the head. Il est la tête of that church, de cette église, of the first one. De premier-né. Amen. 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 That church, cette église is the one John of sin is coming in from heaven. Et celle que Jean avait vue descendant dans la Jérusalem d'en haut. Brother, frère, that's the reason why, raison pour laquelle when you read the verse 18, quand and vous lisez au verset 18, of the body, the church. Il est la tête du corps de l'église. Who is the beginning? Il est le commencement. The firstborn. Le premier né. From the dead. D'entre le mort. That in all things, he may have the preeminence. Afin d'être en tous les premiers. That's why to us. Voilà pourquoi pour who nous. Believe, à nous qui avons Jesus cru. Jesus Christ is the preeminence. Jésus-Christ est le premier. We are excited. Nous sommes heureux. When they name the name of Jesus. Quand on cite le nom de Jésus, amen. Not the name of a man. Pas le nom d'un homme. Oh, the prophet said. Oh, le prophète a dit. Is a man. C'est un humain. The preeminence. La prééminence. It's our Lord and Savior Jesus. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh brother. Oh frère. He is the firstborn. Il est le premier-né. Among the dead. Parmi le mort, the firstborn, le premier-né of all the creation, de toute la the création, of the church, les, la tête him, de l'Église, Jesus lui, Jésus-Christ. Oh, oh, je remercie Dieu. Amen. 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 For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. The fullness never dwell in Brother Branham. La plénitude n'a jamais Never. Habité en frère Branham, jamais, Never. Jamais. In our Lord and Savior Jesus dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, he a put the fullness. Il a émis la plénitude. That's the reason why. Raison pour laquelle. Do not follow interpretation. Ne suivez pas les interprétations des hommes. The fullness. La plénitude. It was in our Lord and Savior Jesus Christ. Était dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. God came in full. Dieu est venu dans sa plénitude him, en lui. Walking on the earth. Marchant sur la terre. Brother, frère, speaking. Parlant. He came for us. Il était venu pour nous. Amen, save us. Afin de nous sauver. The one who was invisible. Celui qui était invisible. Have become visible. Était devenu visible. Amen. 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 And by him. To reconcile all things to himself. Et il a voulu par lui réconcilier tout by avec him, lui. Whether things on earth, tant ce qui est sur la terre, or things in heaven, ce qui est dans les cieux, having made peace through the blood
of his cross. En faisant la paix par lui, par les sangs de sa croix. And you, et vous, who once were alienated, qui étaient autrefois étrangers, enemy in your mind by wicked works, et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, he has reconciled. Il vous a maintenant réconciliés in the body of his flesh through death, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître holy, devant lui saint, blameless and blameless, irrépréhensible, and above reproach in his sight, et sans reproche devant lui. If indeed, si du moins, you continue in the faith, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, grounded, inébranlable, and steadfast, fondé et inébranlable dans la foi, and not move away from the hope of the gospel which you heard, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, ne vous détournez pas of the gospel as you have heard, de l'évangile que vous avez entendu. Do not move from ne that. Vous détournez pas de cela. People today are moving. Les gens aujourd'hui se détournent. That's the reason why. Raison pour laquelle we thank God. Nous remercions Dieu for his love. Pour son amour. Amen. Brother, frère, let's read the book of Romans. Lisons dans les livres de Romains. Chapter 9. Chapitre 9. Before we go to the love of God. Avant que nous allions à l'amour de Dieu. Oh, Father, brother. Oh, frère, God is good. Dieu est bon. Amen. Romans chapter 9. Romains 9. Verse 10 to 13. Verset 10. And 11. Not only this, but when Rebecca also had conceived by one man, even by our father Isaac. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui a conçu du seul Isaac, notre père. For the children not yet being born. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Not having done any good or evil. Et il fait ni bien ni mal, that the purpose of God, according to election, might stand. Afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent. Not of works, sans dépendre des œuvres, but of him who calls. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Not of works of a man, pas selon les œuvres des hommes, but of him who calls. Mais par celui it qui appelle. Say to her, il fut dit à Rebecca, the older shall serve the young. L'aîné sera assujetti au plus jeune. As it is written, selon qu'il est écrit, Jacob I have loved. J'ai aimé Jacob. But Esau I have hated. Et j'ai haï Esaü. Brother, frère, when you continue with the scripture, quand vous continuez avec l'écriture, what shall we say then? Que dirons-nous donc? Is there unrighteous with God? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certainly not. Loin de là. Amen. For he said to Moses, car il dit à Moïse, I will have mercy. Je ferai miséricorde. Ever I will have mercy. À qui je fais miséricorde. And I will have compassion on whomever I will have compassion. Et j'aurai compassion de qui j'ai so compassion. Then, it is donc, not of him who will. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Not of him who runs. Ni de celui qui court. But of God who shows mercy. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. If you don't clap, me I clap. Si vous n'applaudissez pas, moi j'applaudis. Because you don't have faith. Parce que vous n'avez pas la foi. If you got faith like si me, vous avez la foi clap. Comme moi, vous allez applaudir. This is true. Ça c'est la vérité. It's not depending on us. Cela ne dépend pas de nous. Amen. Now, maintenant, hear this. Écoutez ceci. I love Jacob. J'aime Jacob. God love those who love him. Dieu aime ceux qui l'aiment. Let's read the book of Proverbs. Lisons les livres de Proverbes. Proverbs. Proverbe.
Chapter 8. Chapitre 9. Verse 17. 8, verset 17. Chapter 8. Chapitre 8, verset 17. Oh, non. God loves those who love him. Dieu aime ceux qui l'aiment. Verse 17. Verset 17. I love those who love me. J'aime ceux qui m'aiment. If you don't love God, si vous n'aimez pas Dieu, qu'attendez-vous donc? Even a wife, if you don't love him, she could read this man doesn't love me. Même une femme, si vous ne l'aimez pas, elle lira que cet homme ne m'aime pas. Can you hear that? Pouvez-vous entendre cela? In marriage, we're going because of love. Dans les mariages, nous y entrons à cause de l'amour. That's why people are getting married. Voilà pourquoi les gens se marient. You can't love someone who doesn't love you. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Love. L'amour. It is responding to love. Répond à l'amour, amen. If you love somebody, si vous aimez quelqu'un, you'll lay down your life. Vous sacrifierez votre vie. In the book of John, Jésus dit dans les livres de Jean, greater love, le grand amour, is to lay your life for those you love. C'est de sacrifier votre vie pour ceux que vous aimez. Alléluia. Amen. If God loves you, si Dieu vous aime, he has laid his life down, et il a sacrifié sa vie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est mort nu à la croix. He has been exposed, il a été exposé for you, for me. Pour vous et pour moi. Now, if you love him, maintenant, si vous l'aimez, you'll lay your life down, vous sacrifierez votre vie for him too. Pour lui aussi, amen. To show him really I love you. Afin de lui montrer réellement que if nous you l'aimons. Love somebody, si vous aimez quelqu'un, you'll sacrifice everything. Vous sacrifierez tout. He loved us first. Il nous a aimés les premiers, l'Écriture. Rentrons à cette Écriture. 1 John. 1 Jean. Chapter 4. Chapitre 4. You're starting about verse 16. À partir du verset 16. And we have known and believe. Et nous avons connu l'amour. And believe. Et cru. We believe what he did at the cross. Nous avons cru à ce qu'il a fait à la croix. To believe. Croire. Is not to say it in the mouth. Ce n'est pas le déclarer. Is to act. C'est agir. To obey. Obéir. To move by the word. Avancer par l'esprit. I love you, but you're doing the contrary of what love says. Je vous aime, mais je fais le contraire de ce que l'amour dit. Vous dites que vous aimez Dieu. O Israël. O Israël. Your Lord is one Lord. Votre Seigneur est un seul Seigneur. You love him. Vous l'aimerez. All your strength. Vous l'aimerez de toute votre force. All your energy. Votre énergie. See what the Bible is asking us. Regardez ce que la Bible nous demande. To love him with our, de l'aimer de toute notre force, energy. De toute notre énergie. That's the reason why we have read about preeminence. Raison pour laquelle nous avons lu sur la prééminence. In our energy, avec notre énergie, the preeminence. Il doit avoir la prééminence. In our spirit, dans notre he must esprit, have the preeminence. Il doit avoir la prééminence. In our mind, dans he must pensées, take preeminence. Il doit, avoir, il doit prendre every, la prééminence. Every ground in our body. En toute partie de notre corps. Then we love him. Ainsi nous l'aimons, amen. If not, sinon, we are not yet arrived. Nous ne sommes pas encore arrivés. We are still on the way. Nous sommes encore sur le chemin. We must love him. Nous devons l'aimer, amen. No matter the circumstances. Peu importe les circonstances. Then love, si l'amour express itself, s'exprime you can, elle-même. You can read it. By the expression of the love. Vous pouvez lire par les expressions de l'amour. This d'amour. One love God. Réellement, celui-ci hey, aime Dieu. Husband, oh. Celui-ci aime son mari. Hein. We can read it. Nous pouvons lire cela. So, we carry on with the scripture. Alors, nous continuons avec l'écriture. Believe the love that God has for us. Et nous avons cru.
Dieu, nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. And he who abide. Et c'est lui qui demeure. In love abide in God. Dans l'amour demeurant Dieu. Amen. That scripture, it's wonderful. Cette écriture est merveilleuse. He who abide in love. C'est lui qui demeure abide dans l'amour. In love abide in God. Demeurant Dieu. And amen. God in him. Et Dieu demeure en lui. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of the judgment, of judgment. Because as he is, so are we in this world. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait et est parfait that en nous, afin que must express itself in us. Cet amour doit s'exprimer en nous. As he is. Tel qu'il est. That love, it has to manifest in us. Cet amour devait se manifester en nous. He has loved us first. Il nous a aimés le premier. As he is, so are we in the world. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. The way he loved us. De la manière dont il nous a aimés. The way the children of God would love the children of God. C'est de la manière dont les enfants de Dieu devraient the aimer les enfants God de Dieu. Love everybody. Une fille de Dieu as devrait aimer tout loved le monde comme Dieu nous a aimés. The love of God. L'amour de Dieu. That's why it's above all. Voilà pourquoi il est au-dessus de tout. If you abide in it, si vous demeurez en cela, God is in with you. Dieu est en cela. He's with you. Il est avec you vous. Abide in God. Vous demeurez en Dieu. And love is perfect in us. Et l'amour est parfait en nous. When we love one another. Quand nous nous aimons les uns les when autres. We love the word of God. Quand nous aimons la parole de when Dieu. God take the preeminence. Quand Dieu prend la prééminence. Love is perfect. L'amour est parfait. There is perfection in love. Il y a la perfection dans l'amour. That's what when we read on Sunday c'est about que, love. Quand nous avons brother, lu les dimanches à propos de l'amour. There is perfection. Il y a la perfection. Love. L'amour. That's why we need to fear God. C'est la raison pour laquelle nous devons craindre we need to Dieu. Have that love. Nous devons avoir cet amour. Without that love, sans cet amour, we don't have God. Nous n'avons pas Dieu. Now, hear the scripture. Maintenant, écoutez l'Écriture. Verse 18. Verset 18. There is no fear in love. La crainte n'est pas dans l'amour. But perfect love. Mais l'amour parfait out fear. Bannit la crainte. Amen. Because fear involves torment. Car la crainte suppose un châtiment. But he who fear has not been made perfect in love. Et c'est lui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. We love him. Nous l'aimons. Because he first loved us. Parce qu'il nous, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. He loved us first. He loved us first. Il nous a aimé le premier. He showed us his love. Il nous a démontré son amour. And we have believed that love. Et nous avons cru he en cet amour qui nous a démontré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est venu. He died for us. Il est mort pour nous. He paid the price. Il a payé le prix. That is the love of God. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que nous croyons. Amen. So that love cet amour must be manifested in the church. Doit être manifesté dans l'Église. If you don't become that love, si vous ne devenez pas cet amour, non. You are not yet there. Vous n'êtes pas encore là. Then seek to have that love. Ainsi cherchez à avoir cet amour. That what Jacob had. C'est ce que Jacob avait. In the book of Proverbs, we never finish. Dans le livre de Proverbes, nous n'avons pas fini. Verse 17. Verset 17. I love those who love me. J'aime ceux qui m'aiment.
And those who seek me diligently. Et ceux qui me cherchent. Will find me. When you seek love, you will find God. Quand vous cherchez l'amour, vous trouverez Dieu. In love, God is there. Because God is love. Parce que Dieu est amour. Isaiah chapter 55. Ésaïe 55. Jacob is seek that love. Jacob cherchait cet amour. Because in that love. Parce que dans cet amour. He knew God was there. Il there savait perfection. Que Dieu était là. There il y avait la perfection. There. Il y avait la perfection dans love. Cet amour. That's why. Voilà pourquoi. He was seeking to have that il cherchait à avoir ses droits d'aînesse. Isaiah chapter 55. Ésaïe 55. Verset 6. 6 alone. Seek six. The Lord while he may be found. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Call upon him while he is near. Invoquez-le tandis qu'il est près. Amen. Seek the Lord. Cherchez you l'Éternel. Need to seek for him. Nous devons chercher that's l'Éternel. The reason why raison pour laquelle Jacob, was seeking for him. Jacob le cherchait. Was seeking for the Lord. Cherchez le Seigneur. Ah, he had the desire. Il avait les désirs. He had feel God love him first. Il avait senti que Dieu then l'avait aimé le premier. To give him also in return et il devait love. Lui rendre aussi cet amour. I can't give him in return other things. Je ne peux pas lui God donner doesn't want those autre things. Chose. Dieu n'a pas he besoin de toutes ces choses. Il n'a pas besoin he de doesn't want other things. Il n'a pas besoin d'autre your chose. Presence here for nothing. Votre présence ici pour rien. He wants him, you to love him. Il veut que vous l'aimiez. To love him first. Vous l'aimiez le premièrement. John and Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. This is what the desire of all the elect. C'est ça les désirs de tous les élus. Jacob. Abraham. David. All these elect. Tous ces élus. That was their desire. C'était ça leur désir. God. Dieu. Abraham had all the money. The wealth of the world. Abraham avait toutes les richesses du monde. It was meaning nothing to him. Cela ne représentait rien devant lui. He was seeking that city. Il cherchait he cette was cité. Seeking God. Il cherchait Dieu. He was seeking to have him. Il cherchait à l'avoir, à le posséder. Him, une fois que vous le possédez, vous avez une assurance. You know what? In this world, vous savez quoi dans ce monde? When you got some wealth, quand vous avez des richesses, the enemy also is sitting there. L'ennemi how to come and attack you? C'est tient là cherchant comment vous attaquer. Just for a cell phone. Juste pour un téléphone. Don't lose your life. Ne perdez pas votre vie. Give it away. Donnez-le. It's a TV. It's money. C'est une télé. Give it away. C'est l'argent. Donnez. Abraham was ready. Abraham was ready. Yes. Abraham était prêt. To give it away. À tout abandonner. When Lot and his workers, they started to fight because of the land or because of the well to make drink the cattle. Quand Lot et ses travailleurs commençaient à se battre à cause du puits, Abraham said, "We are brothers." Abraham dit, "Nous sommes we can't frères. Fight nous ne pouvons pas nous battre." Because of this, à cause de ces choses, you choose. Toi choisis. He gave him even the first right. Il lui a donné même le premier droit de choisir. Choose first. Choisis en premier. I give you the, je te donne le droit. The privilege. Les privilèges. Because you will say, because que, you have choose the better part. Parce because, que tu diras, tu as choisi les meilleurs endroits parce que tu es le plus grand. Parce que tu as le droit d'aînesse. Et tu es le plus grand. You took the advantage of alors, me and you took the better part. Tu as pris de l'avantage but et tu as pris les meilleurs endroits. Choose alors first. Je te donne cet avantage. Choisis en premier. Lot make his choice. Lot avait fait son he choix. The land of Sodom and Gomorrah. Il regarda la it terre de Sodom et Gomorrah qui était fertile. And he chose that land. Et il a choisi cette terre. He didn't know. Il ne savait pas. There will be homosexual. Qu'il y aura des homosexuels. He didn't know. Il ne savait pas. There will be fire. Qu'il y aurait du feu. You can go to United States. Vous pouvez aller aux États-Unis. It's good. C'est bien. It's for a better life. C'est pour une bonne you vie. Go to work and get money, vous avez un travail, vous survive, avez de l'argent, you have a better life. Vous vivez, vous avez une bonne vie. But there, mais là, there is also the condition of Sodom and Gomorrah. Il y a aussi les conditions de Sodom how et Gomorrah. Are you going to overcome it? Comment allez-vous vaincre cela? They will give you their exigence. On vous donnera leur exigence. Yeah.
Their decision. Leur décision. For us to give you this. Pour nous, avant de vous donner ceci. You have also to give us something. Vous devez aussi nous donner quelque chose. Deny that, join us. Renier à cela et joignez-nous. Brother. Frère. Don't sell your birthright. Ne vendez pas votre droit de naissance. Because of food. À cause de la nourriture. All what people they trying to do. Tout ce que les gens essayent de faire. Going to north and south. Aller nord-sud. It's for the stomach, for c'est food. C'est pour les ventres, pour it's la nourriture. For this stomach c'est here. Pour ces ventres. But if they give you all the food in mais this world. Si on vous donne toute la nourriture de ce monde. It rejoice. Cela vous réjouit. Make yourself happy. Réjouissez-vous, you rendez-vous lose, heureux. You lose vous your perdez soul. Votre âme. What a shameful things. Quelle chose honteuse. What a sorrow are you going to feel? Quelle peine allez-vous sentir? Brother, frère, it better give up to all things. C'est mieux que j'abandonne tout. But hein? I have Jesus Christ. Et j'ai Jésus-Christ, amen, amen. I can't sell Jesus Christ. Je ne peux pas vendre Jésus-Christ. He is the preeminence to my life. Il est le premier dans ma vie. No matter I'm crying, I'm sick. Peu importe combien je pleure et je cherche, voilà. Frère, this, je suis malade. Last week, my son toute is cette semaine passée, mon all fils ici est témoin. I didn't know toute I'm ma famille est témoin. Je ne savais pas que j'allais me tenir. But I say, mais j'ai dit, God, Dieu, because of this kingdom, à cause de ce royaume, no matter sickness, peu importe la maladie, nothing, rien. Ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Rien. La mort, c'est ce corps ne va jamais me ramener au moins que je tombe et meure. Je sens la force dans mon corps ces jours-ci. Je me sens étrange dans le corps ces jours-ci. Mais je me suis dit, devil, you are a liar. Le diable, tu es un menteur. Unless you put me down. À moins que but tu me mettes if KO. God says so, mais si Dieu dit ainsi, if not, sinon, you are a liar. Tu es un menteur. Amen. You will never put me down to never go and serve God. Tu ne me mettras jamais à terre afin that's the reason pas aller servir Dieu. Voilà pourquoi. To serve God, servir Dieu. It needs some sacrifice. A besoin de sacrifice. Amen. Amen. It's nothing for nothing. Ce n'est rien pour you rien. Need to sacrifice something. Vous devez sacrifier quelque chose for you to have him. Afin que vous l'ayez. If you got love, si vous avez l'amour, love, l'amour it's giving also love donne aussi l'amour for you to get God. Afin que vous ayez Dieu. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now, Matthew chapter 6, verse 33. Maintenant, Matthieu, verset, chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu and his righteousness. Et and la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Therefore, do not worry about tomorrow. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. For tomorrow will worry about itself. Car le lendemain aura soin de lui-même. Sufficient for the day it is. À chaque jour suffit there sa peine. Is it on trouble. À chaque jour suffit sa peine. May the name of the Lord be praised. Que le nom du Seigneur soit that loué. Was the desire of Jacob. C'était ça le désir de Jacob. To have God. Avoir Dieu. The birthright. Le droit d'aînesse. Then he said to his brother, et il dit à son frère, sold me your birthright. Vends-moi ton droit d'aînesse. His brother was thinking it's a joke. Son frère croyait que c'était une blague. He was serious. Il était sérieux. The matter of the kingdom of God. Les affaires du royaume de we Dieu. Not joking. Nous ne blaguons pas. Mm-mm. Non. If I saw you come with a blague, si je vous vois venir avec des blagues, I say stop. Je vous dis stop. Even me, even friend. Même moi, même les amis. Even wherever. Peu importe où que je sois, j'ai dit toujours stop. Je suis très sérieux dans ces affaires. Je suis vraiment avancé. Et je suis sérieux et je ne blague pas avec ces affaires. Peu importe vous croyez ou pas, ce n'est pas mon problème, c'est ça ma position.
Brother, you need to have a position. Frère, vous devez avoir une position. Sister, you need to have a position. Sœur, vous devez avoir une about position. This word. Sur cette parole. If really you love God, si réellement vous aimez Dieu, your position must be read. Votre position devait être lue. It will be read. You, this sister love God. Really. Ça sera lu. This brother, he love God. On dira, cette no matter what, Dieu, cette nothing will stop him. Peu importe quoi, rien nothing. Ne vous arrêtera. No matter he's sick. Peu importe he's la there. Maladie, no matter what, il est là. He's there. Peu importe quoi, you il est là. This, vous ne pouvez pas voir ce when we went on a funeral, quand nous sommes allés Saturday, quand nous sommes allés à l'enterrement les samedis, ces gens étaient des témoins de Jéhovah. He took a scripture. Ils prirent une écriture. Et lu. Now he start to say. Et maintenant, comme il commençait à dire, ce frère qui est mort ici, nous pourrions les lire dans cette écriture. He have write his, il avait écrit I heard j'ai entendu the love of God. L'amour de Dieu. It's something strange. C'est quelque chose d'étrange. It's not what people they are talking ce n'est about. Pas ce que les gens parlent. Ce n'est pas de quoi les gens parlent. When we reading this, pendant que nous lisons ceci, c'est Dieu who's writing history. Qui est en train d'écrire son histoire. God is writing himself. Il écrit lui-même in you. En vous. You can't write it. Vous ne pouvez pas l'écrire. It's not depend on the one will. Cela ne dépend pas de votre the volonté. One who chooses, never. C'est lui qui choisit. It's God who's writing. C'est Dieu qui écrit. People, they can interpret the word. Les gens peuvent interpréter la parole. It, mais quand nous regardons à la parole, nous disons, nous remercions Dieu pour la grâce que nous avons trouvée en lui. Il nous a choisis. Il a fait de nous des hommes capables. Il nous a qualifiés. Nous n'étions pas qualifiés. Il nous a qualifiés par le sang de Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu. In our Lord and dans, Savior Jesus Christ. Dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We need to praise Jesus. Nous devons louer not Jésus. Pas un homme. On your own, you can't write nothing. De vous-même, vous ne pouvez rien écrire. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Esaü reject, avait rejeté, despised the birthright. Avait méprisé le droit d'aînesse. Despise the love of God. Avait méprisé l'amour de Dieu. Il avait méprisé Dieu. He didn't want nothing about God. Il ne voulait rien de Dieu. Some of us, certains d'entre nous, their life, leur vie, is speaking more than their plus word. Que leurs paroles. Oh, we are anytime believers. Oh, nous sommes end-time des, des croyants du message de la fin. Nous avons déjà été enlevés. Vous, you are lying. Enlevé, vous mentez. By your way of living. Par votre façon de vivre. It expressing itself to say you cela are a liar. Exprime que vous êtes un menteur. Liars will never enter. Les menteurs n'entreront jamais. Will never enter. N'entreront jamais. Fornicators will never enter. Les impudiques n'entreront jamais. Adulterers will never enter. Les adultères n'entreront jamais. Thieves will never enter. Les voleurs n'entreront jamais. It's the scripture. C'est l'écriture. If it's the scripture. Si c'est l'écriture, deceive not yourself. Ne vous trompez pas. Gossipers. Les calomnieurs. How can you enter? Comment pouvez-vous entrer? How God have made you partakers of the comment Dieu vous a rendu? But you gossip is not inheritance of the saints. Mais les calomnies ne fait pas partie n'est pas l'héritage des saints. Gossip is not there. Les calomnies n'y est pas. Liars les is not there. Les menteurs n'y sont pas. Why are you deceiving yourself? Pourquoi vous vous trompez donc? Those are the things. Cela sont des some choses. Of us que certains d'entre nous are deceiving themselves. Sont en train de se tromper. May God help us. Puisse Dieu nous aider. To be sure for être our calling. Sûr de notre vocation. To seal it. De les sceller. To write it d'écrire cela with the ink, avec l'encre with the blood of Jesus. Avec le sang de Jésus-Christ. You are vous, going to do it. Vous allez le faire by the grace of God. Par la grâce de Dieu. Amen. To obey to this word. Obéir à cette parole. To be holy. Être saint.
Not for this church. Pas pour cette église. Not for Pastor Tarsis. Pas pour les pasteurs Tarsis. Not for Brother Joel. Pas pour les pasteurs Germain. Joel. Pas pour les frères Joel. Because he's gonna come and scream here. Parce qu'il viendra et crier ici. Not for Brother Emma. Pas pour les frères Emmanuel. No, for God. Mais pour Dieu. You are doing things for God. Faites les choses pour Dieu. You are living for God. Vous vivez pour Dieu. Puisse Dieu nous aider. Tenons-nous debout. Give us the song. Donne-nous les cantiques. We are going to pray together. Nous allons prier ensemble. We are going to sing. Nous allons chanter. First, we're gonna thank him. Premièrement, nous allons les remercier. To qualify us under the blood. De nous avoir rendu capables par le sang. And we must ask him. Et nous devons lui demander to give us the faith to believe his love. De nous donner la foi de croire à son amour. We must ask him. Nous devons lui demander to give us the agapao love. De nous donner cet amour agapao afin de l'aimer. Tous ensemble. Oh God.
mon cœur. À qui autrefois était vous. Lord Jesus Christ, our God, we thank you this evening. Thank you, Lord, for this great love. The love that you have manifested to us. Seigneur, tu nous as aimés. You've loved us. Tu nous as aimés le premier. You first loved us. Et nous venons, Seigneur, ce soir. And we come to you this evening. En retour pour te témoigner cet amour. In return, in order to testify the same love. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons écoutée, Seigneur, ce soir. Thank you, Lord, for your word that we've heard this evening. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui t'ont honoré, Seigneur. As they've honored you. Ils sont venus, Seigneur, pour te manifester cet amour. They've come in order to show to you this love. Seigneur, ils n'ont pas considéré leurs conditions. They didn't look at their conditions. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils avaient à faire. They didn't consider what they ought to do. Malgré la fatigue, malgré despite le corps qui ne répond pas. Despite the tiredness Mais, and Seigneur, the body that does not respond. But they've come parce que tu les as appelés. Because you've called them. Et Seigneur, toi tu ne manques pas au rendez-vous. And you don't miss any Et appointment. Ce soir, Seigneur, tu nous as encore une fois bénis. You've blessed us once again this evening. Nous te disons merci. We say thank you, oh Lord. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir ces paroles que nous avons écoutées dans nos cœurs. We pray that you may bless this word that we have received Seigneur, in our heart. Nous te prions que tu puisses nous aider and help us, Lord, Seigneur, pour que nous puissions croire à cet amour. To believe in this love, cet amour, Seigneur, que tu nous as manifesté. That love that you have manifested oh, to us. Oh, bénis tout un chacun de nous. Bless each and every one of us, Seigneur, Lord. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On our own, we cannot make par it. Par nous-mêmes, Seigneur, nous sommes incapables. On our own, we are enable. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour, What Seigneur? Can we give to you in return, Ce oh soir, Lord? Nous venons à oh, toi. Tonight we come to you. Nous te prions, ô notre Dieu, Praying, oh, our que God, tu puisses nous accorder l'amour that agapao. You grant us the love agapao. Oh, l'amour de Dieu. The love of God. L'amour qui ne regarde pas aux intérêts. The love that cannot oh, consider Seigneur, all interests. Viens à notre secours. Come to our rescue, Lord. Au secours de tout un chacun de nous. To the rescue of each and every one of us. Chacun de nous a élevé sa voix vers toi. Each and every one of us have cried out Seigneur, to you. Seigneur, nous avons crié à toi ce soir. We've cried out to you, Lord. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses aider tout un chacun de We nous. We pray that you may help each and every Seigneur, one of us. Seigneur, pour que ton amour puisse so être en nous. So that your love be, may be in our midst. Parce que tu nous dis, as you said,
Tu aimes ceux qui t'aiment. You love those who love you. Seigneur, que nous puissions t'aimer réellement. May we really love you. Comme les hommes peuvent voir que on les aime. As people can see when they love them. Seigneur, tu vois très bien que nous t'aimons. You Lord, you see also how Seigneur, we love you. Aide-nous et assiste-nous. May you help us and assist Bénis us. Notre bien-aimé que tu as utilisé puissamment ce soir. Bless our beloved brother that Seigneur, you have used mightily this evening. Il est fatigué dans le corps. He's tired in his body. Prions, Seigneur, de we pray that you may strengthen him. Nous croyons à ta parole qui dit. We believe in your word that says. Ceux qui se recommandent en toi. Those who recommend themselves to you, force. Renew their strength. Seigneur, fortifie-le. Lord, may you strengthen Seigneur, him. Bénis-le. And bless him. Et bénis aussi sa famille. And bless his household. Seigneur, nous savons, il passe des moments difficiles. We know that he is going under nous nous a rappelons time. Aussi, Seigneur, de la famille en Zambie. We remember also about his family in Zambia. Oh, les enfants qui sont restés. And all the children oh, who have. Oh, Seigneur, que tu puisses les réconforter. May you comfort Seigneur, all que the children. Les consoler. And also counsel oh, them. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce service. We've reached the end of this nous service, nous recommandons Lord. Uniquement à toi. We commit que ourselves tu puisses, Seigneur, to you, être avec tout un chacun de nous that you may be with each sur and every one notre of us chemin de retour. On our way back home. Garde-nous, Seigneur, en chemin. Keep us on our way protège-nous, back home. Oh, and protect notre us, Dieu. Lord. Tu sais ce que le diable est en train de faire. You know what the, il veut nous décourager the devil is busy doing as en nous attaquant sur la route. He want to discourage mais us by Seigneur, attacking on the way. Il n'y a rien qui peut nous séparer de toi. But there's nothing that ce ne sont pas les tribulations qui vont nous from, séparer. It's not the tribulations that can do that. De l'ennemi qui vont nous or séparer. The attack of the enemy oh, can, Seigneur, which can nous te disons merci. Separate us from you. We nous say thank nous you, Lord. Recommandons uniquement à toi. We commit only bénis mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Bless my beloved brothers nous and sisters. Nous t'avons prié, demandé, Seigneur, tout we ceci. We prayed and asked all this. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. May the Lord God bless us all. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. We've reached the end of our service. Partons avec la paix du Seigneur. Let us go with the peace of our Lord. Maranatha. Maranatha. Show!